frères, sœurs et amis, bonjour. Alors voilà, je tenais à vous remercier pour l'objectif qui est atteint, ça y est, j'ai 200 abonnés, j'ai atteint. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés très récemment à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage pour aller plus loin encore. Parce que, bien entendu, ça peut paraître très peu pour certains, 200 abonnés. Mais moi, 200 abonnés, voilà, c'est tout nouveau pour moi, donc c'est beaucoup et franchement, je vous en remercie. Et par ailleurs, il y a aussi cette vidéo, ce cantique que j'ai mis il y a de ça quelques mois déjà. C'était le cantique Vie et Lumière. Cette vidéo a atteint maintenant plus de 3300 vues, ce qui est pour moi énorme, parce qu'en général, ça tourne autour d'une centaine de vues. Alors sincèrement, je ne vois pas ce qui a pu faire que cette vidéo s'enflamme comme ça, parce que elle fait en général une cinquantaine de vues par jour, et tous les jours, hein. Et je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, mais vraiment, c'est encourageant pour la suite. Et puis aussi, je tiens à vous dire que je poste un cantique aujourd'hui que j'avais fait en 2002 avec mon père, que ma petite sœur avait chanté. Et puis en 2013, j'avais demandé à ma femme, Mémé, et puis Laetitia, de rejoindre ce cantique sur un CD. Un beau cantique que je trouve moi, qui est beau. Parce que, en réalité, ce que vous devez certainement vous demander, pourquoi je suis tant attaché à avoir des nouveaux abonnés ou des vues. Et aujourd'hui, nous avons complètement changé notre manière d'écouter les cantiques. Autrefois, on achetait des cantiques, des CD, dans les rayons, dans les missions ou à Gien. Et ça s'est perdu au fil du temps. Par rapport aux clés USB, tout ça, ça a détruit les ventes. Hein. Ça a été une catastrophe pour ceux qui vendent des CD, je sais ce que c'est, parce que moi-même j'y ai vécu. Et aujourd'hui, même les clés USB ont pratiquement disparu. Maintenant, les gens écoutent les cantiques avec YouTube, par Bluetooth, comme avec leur poste. Et donc du coup, ce qui fait que aujourd'hui notre seule et unique pratiquement manière de faire écouter aux gens les nouveaux cantiques, ce que nous faisons, c'est avec YouTube, on vend pratiquement plus de CD maintenant. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est tant attaché à avoir des abonnés, des vues. Voilà, c'est comme ça maintenant, c'est nouveau. Alors du coup, c'est pour ça qu'on vous demande souvent de vous abonner et tout ça. C'est pas pour se faire voir, hein, vous comprenez très bien que c'est pas pour ça. C'est juste que c'est plus encourageant, voilà, pour que les nouveaux cantiques se fassent, que les gens écoutent, tout simplement. Donc, je vous encourage à acheter un CD, si vous voyez un jour un CD qui se vend dans une église. Sincèrement, parce que je vous promets, ça s'est perdu. Et il y a beaucoup de... pas de problèmes, mais des difficultés vis-à-vis de ça. C'est dommage. C'est dommage parce que ça perd... on perd des revenus pour l'église. Des bénéfices quoi, pour l'église ou pour les missionnaires. Et en plus, c'est dommage parce qu'il y a des petits jeunes qui font des CD avec tout leur cœur et puis ils voient que ça ne se vend pas. C'est décourageant pour eux, c'est dommage. Et voilà, c'est avec ces quelques mots que je vous dis à plus tard. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important.